Hello YouTube, c'est Prune, comment ça va? Alors aujourd'hui, je vais me faire tatouer et je vous emmène avec moi. C'est un vlog. Donc là, j'ai pas pris le temps de me maquiller. Vous me voyez au naturel. C'est dégueulasse. Mais je pense que je vais passer par Sephora juste avant et prendre le temps de me maquiller. Voilà. Voilà, je suis arrivée à la gare de Grenoble. Du coup, maintenant, je mets l'adresse du shop où je vais me faire tatouer dans mon GPS. Et je serai partie, quoi, avec mes cheveux tout pourris. Et vous inquiétez pas, bientôt, je vais faire quelque chose de nouveau avec ma sale tête. Ah si, je passe au Sephora d'abord. Je vais passer au Sephora parce que j'ai une heure devant moi. Je passe au Sephora et je vais me maquiller, je pense. Parce que là, la tête, ça va pas du tout. Bon voilà, c'est un peu mieux, je sors de chez le Sephora, juste là, et là je me rends au Tattoo Shop. À toutes. Regardez-moi ça, c'est pas magnifique. Et voilà, j'y suis. Kinkaiju Tattoo. Et oui, je vous ai pas dit aussi, je me suis maquillée au Sephora. Je me suis maquillée au Sephora parce que c'était trop une catastrophe. Mais ça reste un peu une catastrophe parce que c'est mes cheveux quoi, c'est du n'importe quoi. Bon, je vais rentrer dans le shop et on va bien voir ce qui va se passer. Pour mon tatou, bisous. Alors, on est bien arrivé. Là, je suis en compagnie de Mia et de Morgane. Et on démarre le tatou. Regardez ce que j'ai ramené. J'ai ramené ma peluche avec les cartes Ponita de Galar Shiny, Ponita de Galar Normal et ma carte porte-bonheur. Voilà, comme ça, il m'accompagne. Thank you.
ça. Bon bah là on est sur la dernière heure. Ça commence à piquer un petit peu, mais c'est le mollet, ça va, ça passe. Et puis Mia elle est douce, donc c'est cool. Ça y est, le tatou est terminé. Je suis trop contente. Il est magnifique. Je vais vous le montrer. Alors je vous présente Mia Michek, c'est elle qui vient de réaliser mon tatouage et elle est très talentueuse, je vous la conseille. Je vous mets ses réseaux, je les affiche là et je les mets en barre d'infos. Voilà. Alors on se retrouve deux jours plus tard. Avant-hier je me suis fait tatouer par Mia Michek et du coup j'ai fait voilà ce ponita de galard. Maintenant on est deux jours plus tard, je me fais tatouer la cuisse par Mas M. 2AS Tattoo en Ardèche, du coup. Voilà. Du coup, je vous montre à peu près voilà ce que je vais avoir sur la cuisse. Do you like or not? Thank you.
voilà, on est rentré à la maison. Donc je vous explique, j'ai pas pu faire les couleurs. Parce que avec le tatouage d'avant-hier, ça faisait beaucoup de douleur à ma jambe. Et deux, parce qu'on allait finir à je sais pas quelle heure. Donc du coup, mauvaise nouvelle, je finirai les couleurs au mois de septembre. Donc voilà. Sinon, n'hésitez pas à checker ma statue. Je vous mets son Insta. Elle a plein de place en mois de juillet. Et elle serait très contente de vous recevoir. Elle est adorable. Et elle est très talentueuse. Donc voilà, si tu regardes, je te fais un gros bisou. Et merci encore, j'ai très hâte de te revoir. Mia, si tu regardes, gros bisous pareil. Je vous ai trop kiffé toutes les deux et je suis trop contente du résultat. Sur ce, c'est la fin de ce vlog. Et j'espère que ça vous a plu. Bye bye!